Ça semble bien qu'il y a une motivation pour beaucoup de personnes de devenir notoire. Alors, je distinguerais la notoriété de la reconnaissance. Dans mes premières leçons de psychologie, j'apprenais que le délinquant, une des motivations du délinquant, c'est d'attirer l'attention. Et donc, de prendre cette piste de la notoriété, si on peut dire. Mais justement, ça n'a pas des résultats nécessairement utiles. Je pense que tous les humains ont ce désir de s'affirmer, de réaliser ce qu'ils sont, leur potentiel. Alors, oui, tous les humains ont ce désir de sortir du rang, au sens de dire j'existe, me voici, et de faire ce qu'ils peuvent à partir de leur potentiel. Alors, tous les humains ont le goût de sortir du rang dans ce sens-là. Ça se ressemble. C'est-à-dire, c'est une propension comme je disais, à s'actualiser. Et on cherche à être remarqué pour ce que nous avons d'unique et qui peut être utile à la société. Alors, je crois que c'est la même dynamique, mais il y a une différence, c'est que chez le délinquant, ou l'extrême radical de ça, chez un être psychopathique, il n'y a pas de cette préoccupation de compassion, il n'y a pas cette préoccupation d'être utile, de faire quelque chose qui bénéficie à la société. C'est sûr que la médiatisation est un canal pour atteindre la notoriété. On est jeté dans l'existence quand on vient au monde. Comme Jean-Paul Sartre disait, on est projeté dans l'existence et puis il n'y a pas de mode d'emploi, sauf avec nos propres ressources. Et là, bien, on se fait nommer et on répond à ce nom-là. Et puis c'est ça que je suis au début, juste le nom qu'on m'a donné. Après ça, on essaie de mettre de la chair dans ce nom-là. Quand je finis mon école primaire, puis que je dois passer à l'école secondaire, ben, c'est fini l'école primaire. Je meurs, ça, c'est du passé, mais c'est encore avec moi. Et là, ben, je renais. Alors, on vient dans l'univers avec des déterminants génétiques, des déterminants familiaux, l'environnement familial, des déterminants sociaux, culturels, économiques. C'est ça, notre liberté est limitée par ça. Le fait d'être né dans un milieu socio-économique relativement modeste, eh bien, fait que c'est plus difficile, même à force de volonté, de passer à des niveaux socio-économiques plus favorables. C'est possible, et c'est même considéré dans certaines cultures, comme chez les Américains, plus vous partez bas, plus loin vous allez, plus extraordinaire vous êtes. Qu'est-ce qui fait que dans son parcours de vie, un être humain va avoir plus de difficultés à résoudre les tâches de développement qui lui incombent de résoudre. Ben, c'est les différences individuelles. On vient avec un système nerveux et des talents et cette facticité qu'on appelle, tous ces déterminants génétiques et environnementaux. Eh bien, ça nous limite, mais en même temps, ça nous donne des ressources. Le milieu socio-économique, je ne sais pas moi, prenons l'exemple
de Mozart, qui avait la bonne fortune de venir au monde avec un talent extraordinaire. Encore a-t-il fallu qu'il ait eu un environnement et un papa qui a reconnu ce talent-là et qui l'a favorisé. Alors, notre environnement peut être un négatif et un positif. Qu'est-ce qui fait donc qu'on se développe? C'est beaucoup les ressources génétiques que nous avons, mais aussi les ressources environnementales qui peuvent être favorables. Il y a des études qui ont été faites là-dessus sur 1000 Genius, nommé Terman dans les années 20. Il avait développé un test d'intelligence, de QI, là, et puis il avait sélectionné ceux qui avaient des QI les plus élevés, puis il les a suivis pendant un certain nombre d'années, et ils ont observé que, effectivement, le fait d'être favorisé génétiquement comme ça et environnementalement, parce que notre QI, c'est aussi le reflet des choses qu'on nous a apprises, qu'effectivement, si on est favorisé, bien, ça nous favorise sur le long terme. Alors donc, quelqu'un qui est favorisé comme ça, génétiquement et de par son environnement, eh bien, il aura plus de chances dans la vie. On n'en est pas égaux, on est différents. Et pas nécessairement égaux, ça c'est sûr. Mais on est surtout différents. Et le mandat de la psychologie phénoménologique existentielle humaniste dans laquelle je me reconnais, eh bien, c'est d'aider les gens à développer leur personne unique, ce qu'il y a d'unique chez eux. Et de le faire, non pas uniquement à partir de la génétique, ou de l'environnement, ce qui était le propre des approches behaviorales pour les behavioristes radicaux. L'individu est complètement soumis aux forces de son environnement, sociaux, familial, culturel, etc. Et il y avait aussi, dans la psychologie traditionnelle, cette conception darwiniste, que c'était notre génétique qui nous faisait survivre, et c'était les plus forts qui survivaient. Et ils survivaient à cause de leur force et non pas à cause de leur dignité. Les raisons pour lesquelles les gens travaillent, c'est de gagner leur vie. D'abord, parce qu'il faut survivre, il faut vivre. Alors on travaille pour gagner sa vie. On travaille aussi pour affirmer, exprimer ses talents, ses intérêts, ses valeurs, satisfaire ses besoins les plus profonds, et aussi pour être en rapport, en relation avec nos congénères. C'est un besoin profond que nous avons d'être en rapport avec nos congénères et de pouvoir s'exprimer. Alors, les dangers, c'est si je choisis une carrière essentiellement parce que je vais faire de l'argent et que cela prédomine sur mes besoins ou mes intérêts profonds, eh bien, je ne me retrouverai pas. Quand je serai à l'article de la mort, la question que je vais me poser, c'est qu'est-ce que j'ai foutu avec mes congénères intimes et autres? Comment est-ce que... C'est ça, finalement, et ça va rejoindre. Est-ce que j'ai été reconnu? Le nom qu'on m'a donné, est-ce que je me suis fait reconnaître en faisant quelque chose qui bénéficie à mon entourage? Je pense que c'est plus satisfaisant à nos désirs profonds comme être humain si ce que nous faisons... Est-ce que ce que nous faisons doit être utile? Je pense que dans le travail, oui, mais je disais tout à l'heure aussi que nous sommes aussi des êtres de loisirs, nous sommes des loisiristes. C'est une partie de l'être humain de faire des activités qui n'ont pas d'utilité autre que le plaisir et la satisfaction de les faire. Alors, donc, c'est pas nécessaire que toutes nos activités
soit utile aux autres. Mais sûrement que le travail est ce qui nous relie, ce qui nous définit le plus par rapport aux autres. Hein, lorsque, autrefois, dans les siècles passés, on a quelqu'un qui êtes-vous, il disait je suis de telle famille, je suis de telle nobilité, ou je suis un serf. Aujourd'hui, on en a quelqu'un, qui êtes-vous? Dis-moi, ben, je suis un ingénieur, je suis un cinéaste, je suis un professeur, je suis un technicien. C'est comme ça qu'on se définit. Mais qu'est-ce que ça veut dire que faire ça? Ça veut dire que on a fait les études, la formation, s'est préparée pour pouvoir donner ce service-là et répondre peut-être à ce qui semble avoir été une maxime de Karl Marx, qui aurait dit de chacun selon ses talents, à chacun selon ses besoins. Parce que le travail, c'est ce qui permet de satisfaire les besoins. L'anxiété existentielle, qu'on dit, c'est précisément cette anticipation de la mort. Ça serait comme la matrice. Toutes les autres anxiétés seraient là. Moi, les gens qui disent que la mort, ça ne me fait pas peur, tout ça, je me pose des questions. Parce que c'est épeurant, parce que la grande caractéristique de notre vie, c'est d'être conscient. Et puis, mourir, ben, ça a tout l'air qu'on perd ça. Qu'est-ce que c'est l'état d'être quand on n'est plus conscient d'être? Ça a de quoi. Il y a de la chienne. Il y a plus d'érudits non sages que de sages érudits. Oui, savoir pour savoir. L'érudition pour l'érudition, ça peut avoir une allure, ça peut être un peu une vanité, je dirais. Mais comprendre, c'est vraiment saisir. C'est quoi qui est essentiel? Je me souviens d'un professeur qui disait que la caractéristique d'un être humain mature, c'est sa capacité de compassion. La compassion, c'est la capacité de ressentir ou de se représenter correctement ce que l'autre vit. Ça rejoint ce qu'on appelle aussi l'empathie. L'empathie, la capacité d'adopter les schémas de représentation de l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle a, notre époque, pour être aussi anxieuse, anxiogène? Notre époque a les mêmes raisons qu'on a toujours eues à travers le temps. L'anxiété existentielle fait qu'on va mourir. L'anxiété de l'incertitude de nos décisions. On fait des choix. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne marchera pas? Alors, on a tout ça. Il y a des raisons, des bonnes raisons d'être anxieux. Si on a les changements climatiques attribuables, semble bien, à l'intervention humaine que nous avons, eh bien, il y a des raisons d'être anxieux parce que nous allons disparaître si ça continue comme ça. Semble bien que les gens qui ont le pouvoir n'ont pas toujours la préoccupation d'intervenir dans le bon sens. Alors, il y a plusieurs raisons. Le simple fait de vivre, c'est anxiogénique. Ça crée des incertitudes. Et puis, devant l'incertitude, on essaie de se rassurer. Et je pense que nos façons d'essayer de nous rassurer ne sont pas toujours les plus adéquates. C'est bon de se rassurer dans l'action, pas simplement à tout simplement s'amortir avec l'alcool ou d'autres drogues. Grouille ou rouille. If you don't use it, you'll lose it. Tu t'en sers pas, tu vas le perdre. Alors, faut faire quelque chose. Faut agir. Une bonne façon de réduire son anxiété, c'est de développer une certaine
attitude de confiance aux autres êtres humains. Il faut s'abandonner, oui, c'est ça. Il faut prendre des risques.